Ça va ou quoi le chat? Ça va tout le monde ou quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi le chat? Ça dit quoi les gros BG dans le chat? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que le chat va bien? Est-ce que mes abonnés se portent bien? Est-ce que les refs, vous allez tous très bien? Vous passez une bonne journée? Merci Sarah pour ta donate. Merci à tous ceux qui sont déjà là. Merci beaucoup. Yo tout le monde! Yo l'équipe! Yo l'équipe! Que des winners dans mon équipe! Que des winners dans mon équipe! Oui, ça va super, yo, yo. Merci à ceux qui ont déjà mis le pouce bleu. Merci beaucoup, tous ceux qui ont déjà mis le pouce bleu. Je vous suce, je vous prends le chibre et je mets de la salive. Bref, merci à tous ceux qui sont là déjà, ça fait plaisir. Yo tout le monde, yo, 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 yo. Yo, 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 yo. La journée sur 10, notez votre journée sur 10, les BG. Aujourd'hui, ma journée sur 10, je vais dire un petit 6, hein, je t'avoue. Un peu une journée de merde. Merci à Félix pour ton sub. Merci beaucoup, mais je vais toujours bien, j'ai toujours la bonne humeur. Mais allô Thomas, je suis en live. Pas de soucis mon ref. Dis-moi vite. Ah bah tant pis. Ouais les gars, un peu journée de merde parce que bon, j'ai fait mes papiers, je suis allé à la muscu, j'ai fait une séance pas ouf. Je suis fatigué sa mère. Mais c'est pas grave parce que je voulais quand même live même si je suis un peu fatigué. On va pas live trop tard, je pense que ça va être un petit live de 2 heures, pas plus, histoire de faire le top hein. Bon, en moyenne, vous êtes tous à 7, 8, donc ça fait plaisir. C'est que la plupart des gens qui sont là, ils ont passé une bonne journée. Merci Couton Fendi, ça fait plaisir. Merci à Félix pour ton sub. J'ai reçu un petit cadeau. J'ai reçu un petit cadeau pour ce début de live de la part de Basile. Je sais pas si vous le connaissez, Basile, c'est un réalisateur qui m'aide souvent dans mes petits trucs, tous les jours au quotidien. Et il m'a fait un cadeau. Donc j'aimerais bien qu'on déballe ça en live. Je vais voir ce que c'est. Il m'a dit, ouvre-le en live. Donc on va voir. Yunox, j'ai attendu ton live, ça fait plaisir, merci. Merci à Yano, ça fait plaisir. Le ref, t'es le boss, c'est toi le boss. A votre avis, c'est quoi? Bon, je pense que c'est un livre. Je pense que c'est un livre. Et ça, je pense pas que c'est un livre. C'est beaucoup plus léger qu'un livre. On ouvre lequel en premier? Droite ou gauche? Celui avec le papier ou sans le papier? Merci Kylian, salut BG, tu vas faire du CR après? Je pense, mais pas une longue session. En vite fait. Je pense qu'on va live jusqu'à 22h à peu près. Merci Yazer pour ta donate. Yo Yunox, tu me motives comme jamais à la muscu et YouTube. Bah merci mon ref, ça fait plaisir moi. Merci, je te remercie de me suivre, ça fait plaisir, t'es un crack. Merci que je te motive, ça fait plaisir. Yo tout le monde, yo 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 les BG. Papier. Ok, la plupart du monde vous dites papier. Avec papier. Ok, vas-y, je vais l'ouvrir. Je l'ouvre en live, en direct. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un livre. Ok, moi je vois l'arrière du livre. Est-ce que c'est bien? Je vois pas là, je vois pas le retour. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un livre stylé ou pas? Parce que moi je vois pas le livre. J'attends que vous me dites c'est d'art ou c'est de la merde. Je sais pas c'est quoi, moi je vois que du rouge derrière. Y'a rien d'écrit. C'est bien ou pas? Je vois pas. Donnez-moi des indices. J'arrive pas à savoir c'est quoi. MDR. Oh le fils de pute. Oh c'est un chien. Je vais l'appeler le bâtard. Oh le bâtard. Je vais l'enculer. Oh je vais le fumer. Oh les gars, je vais le mitrailler. Il a fait exprès de me dire ouvre-le en live. Eh, t'es vraiment un chien. Basile, t'es vraiment un chien. Pourquoi? Pourquoi tu rigoles? Tu sais très bien pourquoi. T'arrives là? Je viens d'ouvrir ton cadeau de merde. Eh, t'es vraiment un chien de me dire d'ouvrir ça en live. C'est toi qui m'en parlais tout le temps. Eh, vas-y, je raccroche, t'es un chien. Allez, bon courage, mon gars. Ah, le bâtard! Ah, mais attends, mais les gars, y'a. Mais pourquoi c'est vide? Moi je voulais savoir moi. Ah mais il est... apprends à surmonter ton... Mais mec c'est vraiment un bâtard. En vrai t'es pas mal. En vrai c'est mignon. C'est mignon comme cadeau. J'ai pas du tout un micro pénis. Bon là il est petit parce qu'il fait froid. Voilà, ça c'est mon premier cadeau les gars. Ok bon c'est... Franchement c'est drôle. Merci Zyrox pour ta donate. Merci mon ref. Gros dédicace à Jules et Robin pour ton sub. Merci beaucoup. Merci à Arthur aussi. BG, merci à tous ceux qui sont dans le live, qui mettent des pouces bleus. N'hésitez pas maintenant à bombarder vos pouces bleus. Vous abonner, mettre la cloche, ça fait plaisir. S'il te plaît, offre-le-moi. Je le veux. Ok, le deuxième. À votre avis, qu'est-ce que c'est les gars?
Je sais pas du tout ce que ça peut être, mais en tout cas, c'est pas un livre. Le deuxième, les gars, c'est pas un livre. C'est léger. C'est, si je peux vous dire, c'est un peu rectangulaire. C'est pas un livre, mais c'est léger, regarde. Si je le fais tomber. Merde. À votre avis, c'est quoi? Parce que je pense pas que c'est un livre. Attends, je vais l'ouvrir, je vous montre. Je regarde pas. Merci Roro pour ta donate, merci pour tes 10 euros. Merci mon frérot. Est-ce que c'est bien? J'ai pas vu. Je pense que c'est un jeu vidéo. Il y a un CD, je crois. C'est un jeu vidéo. C'est un Mario Kart ou un truc comme ça. C'est un jeu. Ah, vous étiez chaud, les gars. Vous étiez chaud, hein. Un jeu Play CD. Ouais, il y a un CD dedans. C'est bien ou c'est encore un troll? Je pense qu'il y a un CD dedans. C'est bien ou pas? Donnez-moi un indice. Non, vas-y, c'est vraiment chiant. C'est de la merde. Steve Carell, 40 ans, toujours puceau. Un film de Jude Apatow. C'est un gamin. Merci Zayrox pour ta donnée. Hey, mais demain, il va venir à Webedia, je vais l'enclencher. Hein. C'est un gamin de faire des cadeaux comme ça. Puceau et micro-pénis, vas-y, c'est bon. Il est bien le film ou pas? Quelqu'un l'a déjà vu ou pas le film? Est-ce que dans le chat, il y a déjà quelqu'un qui a vu le film? Il est bien ou il est claqué? Bon, en vrai, merci Basile pour tes cadeaux. T'es un crack. Mais j'ai pas un micro-pénis. Enfin, c'est entre nous, faut pas le dire en live. Ah ouais, frère, il m'a bien trollé. C'était un petit cadeau troll, mais en vrai, ça fait plaisir. En vrai, parce que, en vrai, les cadeaux comme ça, c'est des cadeaux, tu t'en souviens de la personne qui t'ont donné ça. Tu te dis, ah, je me rappelle de ton cadeau, il était cool. Et mais c'est, en fait, je viens de comprendre pourquoi il voulait que j'ouvre en live. Parce qu'en fait, il avait préparé sa blague. Il voulait faire son intéressant. Merci Jonas pour ta donate. Merci mon ref. Salut, non, je me suis inscrit à la libre antenne pour samedi. J'aimerais beaucoup te raconter mon histoire. Est-ce que tu pourrais demander que je sois dans le premier rang? Merci Jonas. Non, je fais pas de favoritisme. Ça veut dire, on verra, Jonas. Si ton histoire est incroyable, tu seras là. Et c'est pas samedi. Radio libre. Notez-le maintenant. Le chat, est-ce que vous savez quand est la radio libre? La radio libre sur le thème de l'horreur, est-ce que vous savez? On va voir si vous êtes à l'affût dans le chat. Vous formez un trop beau couple, toi, Andrea. Merci, Rebecca, mais on n'est pas en couple, Rebecca, mais merci, ça fait plaisir. Merci, Maëlo. Salut, mon ref, ça va? Tu te souviens de moi? Ça va et toi, mon ref? Je me souviens de tout le monde. J'ai volé la carte. Allez, hop, Azorox, tu prends ton bad. Non, en vrai, Azorox, si c'est vrai, fais plus, BG. Sinon, je suis obligé de te ban. Mon ref. Eren Jaeger, merci Itosix, merci mon ref. Le rat qui paye encore, merci Clément. Tu payes tes impôts, Clem? Tu payes tes impôts de la semaine? Dimanche, oh vous êtes bon le chat, vous êtes trop bon. Vous êtes à l'affût de tout en fait. C'est ça que j'aime avec vous, c'est que vous êtes là, j'ai même pas besoin de le dire. Libre antenne, dimanche, à quelle heure? À quelle heure les gars? Libre antenne, dimanche soir les amis. Et à 21h, il y aura un invité. Inconnu. Ou peut-être pas. Bref, 21h, il y aura un invité qui viendra raconter une histoire ou qui viendra réagir aux histoires des abonnés avec moi. En tout cas, à partir de 21h, il y aura un invité. Invité surprise. Donc, invité surprise à partir de 21h. Moi, je commencerai le live à 20h. Et voilà, j'espère que la soirée de dimanche soir va bien se passer. Bonsoir, Inage. Grosse dédicace à Hellphase. Merci, Oumadi, pour ta donnée. Et grosse dédicace à Hellphase. Merci, mon gros. Je suis allé au mauvais endroit, merde. Je suis allé au mauvais spawn, les gars. Je voulais pas aller à Conicross Hydro, le machin, là. J'ai pas voulu aller là, moi. J'ai fail mon bail, là. En plus, il y a un cum. Merci, Tamara. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le grand GD. Merci, Itosix. Tu es déjà venu en Suisse? Jamais, mon ref. Faut que je vienne, d'ailleurs. Ok, il y a un pompe. Hop, on prend ça. Pascal, le grand frère. Ah, peut-être, hein. Je vous dirai pas, vous verrez l'invité. On garde la surprise, les gars, le chat. On garde la surprise, bien sûr qu'on garde la surprise. Ça se trouve, c'est un joueur de foot. Ça se trouve, c'est un youtubeur. Ça se trouve, c'est pas un youtubeur. Ça se trouve, c'est un joueur de tennis. Je te rassure, c'est faux le sang. Ok, ça me rassure, mon ref. Tu trollais alors. Je ne pourrai pas voir le live. Ah, c'est pas grave. Le lendemain, il y aura un best-of sur la chaîne secondaire. Donc le lundi soir, il y aura le best-of de la soirée de dimanche soir sur Inoxac 2.0. Donc t'inquiète pas, mon ref. Merci Nico pour ta donnée. J'ai eu la pire de journée de collège. Mais te voir streamer me rend... Bah merci. Me rend quoi, t'as dit, mon ref? Me rend tellement content. Top 1, je t'admire. Oh Nico, t'es là tous les lives en plus. Merci Nico, ça me touche.
Merci beaucoup Nico d'être présent. Je suis là, je suis sûr que c'est le grand GD. Merci Camille. Alors le trajet en vélo, ça s'est bien passé en vrai. Attends, il y a un mec. Ok, il est là. Regardez bien, tête. Hein. Merde. Je suis dans une bonne merde là. Attends, je me concentre. Il arrive. Oh, j'ai cru que c'était lui. Oh, ça craint. Ça va se taper là. Normalement, lui, il est mort. Pourquoi ça tire pas? Je suis mort. Info sûr. Oh putain! Mais il est nul ce pompe en vrai! Pourquoi il tire pas droit, les gars? Mais les gars, je comprends pas le pompe. Il tire pas droit. Il avait 6 HP. Oh la honte. Oh la honte. Game de chauffe, on va dire. J'étais nul, c'était la game de chauffe, normal. Merci, continue comme ça, t'es le boss. Et viens plus souvent nous voir à Saint-Etienne. Allez les verts, merci à Lynx. Merci mon ref. Game de chauffe. Les gars, dites-moi comment je joue ce pompe. Comment faut le jouer ce pompe? J'arrive pas. Je tire sur lui, ça tire pas sur lui. Il pue la merde en fait, ce pompe. Faut viser, je pense. Salut Noc, je viens juste de souhaiter un très bon anniversaire en retard. Désolé, mais on t'aime tous. Akena, merci mon ref pour ta donate, merci. Merci à ceux qui sont... m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Merci Akena pour ta donate, ça fait plaisir. C'est un stream à cœur, ok. Bah, me fais pas de cœur, frère. Tu m'as niqué ma game, donc arrête de faire le Zarma. Merci Laetoloco pour ta donate. Laetolico. Yo Enox, ta vidéo transformation m'a aspiré et j'ai pris. Un coach, j'ai perdu 28 kilos en 3 mois. Tu as marqué la vie d'un inconnu et tu peux en être fier. Tu es un grand de ce monde. Merci mon ref, ça fait plaisir. Le chat, un maximum de GG pour Adacel qui a perdu 28 kilos en 3 mois, ce qui est énorme. Donc c'est un crack, hein, je peux le dire. Les gars, je sais pas si on fera du Astronir ce soir, mais prochain live peut-être. Ce soir, je vous ai dit, c'est petit live 2 heures, détente, pas trop tard. T'en penses quoi? Du tatou d'Andrea. En vrai, c'est une folle d'avoir fait un tatou. Vous en pensez quoi, vous, des tatous, les gars? Vous êtes pour ou contre les tatouages? Merci Enzo pour ta donate. Est-ce que vous, vous serez capable de faire un tatouage ou pas? Moi, je vais dire mon avis sur les tatouages. Moi, selon moi, c'est incroyable. C'est trop stylé. Par contre, j'aurais pas les couilles de m'en faire un. Parce que je me dis que c'est à vie. Et un jour, tu peux vouloir un. Et après tu regrettes. Genre là par exemple, faire Zoro sur mon bras en mode trop stylé de One Piece, je suis trop chaud. Mais dans 3 ans, je vais avoir le seum. Donc en vrai, sur les autres, j'en ai rien à cirer. Justement, je trouve ça joli. Mais sur moi, laisse tomber frère, j'en ferai jamais. Ok, maintenant pourquoi vous êtes contre le chat? En vrai, comment tu peux être con? On peut pas être contre. On peut ne pas vouloir pour soi-même. Mais quelqu'un qui en a. On peut pas être contre un mec qu'en a. S'il en a, c'est sa vie, on s'en bat les couilles. Tu crois que je t'ai oublié? Oh, chat humide, t'es de retour, merci. Merci, j'ai cru que tu m'avais oublié, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à flipper, mais je suis rassuré maintenant que t'es là. Hop, je prends ça. Parfait, on est pas mal là. Nickel. Hop, hop, hop. Je suis tatoueur, je te fais gratuit. Merci Losa, non mais moi je veux pas me tatouer mon ref. Moi je t'avoue avoir un truc qui s'enlève jamais de ma peau, ça me... Comment dire? Je peux pas en fait. Je me dis, peut-être aujourd'hui je vais vouloir faire un tatouage. Demain je vais avoir trop le seum de l'avoir sur moi. Ça va me niquer. C'est beau, exactement. C'est haram. Ah ouais? Jure, dans le Coran, ils disent que t'as pas le droit de mettre de tatouage. Tout ce qui modifie ton corps, t'as pas le droit, je crois, non? C'est ça ou pas? Tout ce qui modifie ton corps, t'as pas le droit de faire. C'est vrai qu'il y a des religions de tatouage, je sais pas, c'est pas autorisé. Après, c'est pas parce que c'est pas autorisé que sur quelqu'un d'autre ça peut être joli, tu vois. Même si t'es musulman, si tu vois un mec avec un tatouage,
Et ça peut être joli, tu vois. Il y a des gens, ils portent des beaux tatouages, tu vois. Il fait ce qu'il veut, le mec, après, s'il veut se faire un tatouage. Encore là, tu te souviens de moi? Merci, Florian. Toujours, mon ref, merci. Merci d'être là, ça fait plaisir. Ah, tiens, bah, dommage. Je vais garder les pizzas, c'est plus rentable. Je trouve que tu es mignon. Bah, c'est gentil, merci. J'ai la petite beubare maintenant. Eh, elle se voit, la caméra, maintenant. Les gars, elle se voit, maintenant, ma beubare. Oui, oui, oui. Ok, ouais, donc tout ce qui modifie le corps, c'est pas bien, quoi. T'as qu'à prendre des tatouages qui s'enlèvent. Ouais, mais vas-y, ça sert à rien, ça. Ça sert à rien, flemme. Regarde, le jeu, il est zoomé. Ah oui, ouais, bien vu. Bien vu, mon ref. Attends, y a pas des... Ok, ici. Attends, je vais recadrer le jeu. Je vais mettre bien. Bien vu de me le dire, personne me l'a dit. Ça m'étonne que personne me l'ait dit. Attends, hop. Parfait. Nickel. Ok. Hop hop hop, voilà, c'est parfait. Ok, on est bon, les gars. Tu peux plus donner ton de sang. Comment ça, tu peux plus donner de sang? Si, t'as le droit, ça, dans les religions, de donner ton sang. Y'a le droit? Si, y'a le droit, je pense. Si c'est pour une bonne cause, t'as le droit, non? Donner son sang, y'a le droit ou pas? T'attends, je malabar. Tard à l'époque. En vrai, les gars, on kiffait les malabar, mais quand j'en prends un, je me dis c'est dégueulasse. Ça devient tout dur. Il joue le kemé. Je vais prendre la hauteur. Hein. Attends, 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 ça pue là. Lui va me la mettre, je le sens. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Laissez-moi jouer intelligemment. De retour, courage pour le tampon. Merci Dark 5. Toujours là, Dark 5. Bah voilà, on fait moins le malin là. Ok, il se barre. Surtout, faut pas que je le laisse se barrer. Allez, let's go, les gars! Voilà, on laisse pas se barrer! Je me suis abonné à toi, merci mon ref, ça fait plaisir! Ok, sniper, on s'en bat les steaks, ça on prend. Ça on a, ça on prend, voilà. Ok, parfait, je vais rester comme ça. Oh, y'a Wesley! Ok, parfait, les gars. Ouais, je l'ai fumé, les gars. Le shoot était présent. On va pas se mentir, je l'ai fumé. Bon, bah voilà, débat sur tatouage terminé. Mon ref, on est ensemble depuis longtemps. Merci Thiago, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Thiago, ça fait plaisir. Merci d'être présent sur mes lives continuellement. Ça me touche. Je pense que si une fois tu veux te faire tatouer, faudrait faire. Ah, je sais pas ce que tu m'as dit, mon ref. Ton message, il s'est pas enregistré. Merci, mon ref. Merci, Mougli. Merci, Noisette, pour ton sub. Merci beaucoup. Je t'aime très fort, Enox. T'es un boss. Yo, Enox, t'es le boss du YouTube français. T'es un ouf, toi. Oh, je suis une merguez, moi. Je suis un petit de 20 ans, je suis loin d'être le boss. Hein. Le boss du YouTube français, c'est qui les boss du YouTube français en vrai de vrai? En mode, les mecs qui sont là, ils sont installés, tu vois. Squeezie, je pense c'est le boss. Hein. C'est le boss qui est encore installé. Squeezie, Mr. V. Ok, parfait les gars. On se loue tranquillement, on va pas se précipiter. On fait petite game papote. On va aller dans la tornade. Alors lui il va me casser les couilles. Regardez. Tête. Regardez le shoot. Hein. Alors là je suis dans la merde.
Alors là, je suis dans une bonne merde. Où est-ce que je me suis fourré? Ah, McFly et Carlito aussi, ouais. Ouais, McFly et Carlito. Ça, les baies, ça bombarde, hein. Ça met bien en shield, hein. Bientôt les 5 millions, et ouais, les gars. Bientôt, hein. On se rapproche, hein. En d'une part. Attends, faut que je les mange, en fait. Gotaga. Gotaga, c'est pas YouTube. C'est plus streamer, lui. Une idée pour ta prochaine voiture dans le futur? Je sais pas, mon ref, je sais pas. Je pense que je vais bientôt changer de voiture, mais. Je vous dirai pas quand j'aurai une autre voiture. Je la montrerai pas, mon autre voiture, les gars. J'ai pas envie de montrer ma Lamborghini Aventador. Hein. Non, je rigole. Squeezie, merci Julie. En vrai, vous serez moi, vous aurez acheté quoi comme voiture? J'ai envie de voir dans le chat là. Est-ce que vous serez moi? Vous aurez acheté quoi comme voiture? Ok, attends, il y a un mec en Spider-Man là. Ça serait pas mal si on le défonce. Oh, il y a un coffre légendaire. Go. Merde. Dommage, j'aurais pu le tuer. Je l'allume. Il me prend pour sa pute. Ça dégage. Ça dégage. Attends. Stream hacker. RS3 mon pote, merci Tozix. Merci mon ref. Je sais pas si c'est un stream hacker, mais c'est un chien en tout cas. Merci Lies. RS3, BMW, RS6, Mercedes, Audi RS6, Audi RS6, Tesla, McLaren, Mercedes chez GLE, A250, Rolls-Royce. Non, en vrai les gars. En vrai, vous mettrez combien dans une voiture à ma place? Merci Dido pour ta donnée. Golf 5 R32. Vous mettrez combien d'argent dans une voiture? Merci Grizzly. 5 chanques les gars, sachant que j'ai 20 ans. Allez pas me dire 200 000 euros parce que... Merci Losa. Ça va ou quoi? Merci Grizzly. Ça va et toi mon gars? Désolé, le rat a oublié son dernier berry. J'espère que t'as la ref. Bien sûr j'ai la ref. Clément, tu me prends pour qui? Merci mon ref. J'adore Inox, t'es vraiment un crack, gros dédicace à Martine. Merci mon ref, gros dédicace à Martine. 100K, 260. Non, en vrai les gars, je pense ma prochaine voiture, ouais, j'irai pas au-dessus de 50-60, un truc comme ça. Ça fait beaucoup en vrai, 100 000 et tout. En vrai là, ma petite Peugeot là, j'ai réussi à l'avoir à 12 000, tu vois. C'est une bonne affaire en vrai, hein. Parce qu'en vrai elle est bien ma petite Peugeot 208 là. Mais c'est vrai que je pense pas que je mette prêt pour une prochaine voiture plus de 60, tu vois. Je pense que c'est raisonnable. Vous en pensez quoi, vous? C'est raisonnable ou pas? Quand t'as les moyens, tu peux te permettre. Ouais, ouais, c'est vrai, mais bon. Ouais, imagine, tu pètes ta voiture. T'as le seum, hein. La voiture, gros, c'est un lingot d'or ambulant. Un centime, ça. Un centime. Toyota Supra MK4. Merci mon ref. Toi tu t'y connais toi, tu m'as dit exactement le truc. Ok, go. Mon ref c'est... Merci, je suis mort, comment t'as lu mon pseudo? RG Grizzly, c'est ça mon ref? Merci mon ref. La valeur de Dracaufeu première génération. C'est n'importe quoi. La carte Pokémon Dracaufeu première génération anglaise vaut le prix d'une voiture, mais non, mais c'est incroyable. Comme les NFT, hein. C'est comme les NFT. Je sais pas s'il y en a qui connaissent NFT un peu, c'est quoi et tout, mais je suis mort. Attends, mais il est con lui. Ah, je crois que ça lui a pas plu que j'ai dit ça. Je crois que ça lui a pas plu. Il a trouvé une arme, je crois que ça lui a pas plu. Une OP pour ta voiture. Merci Naiko, grosse dédicace Melvin et Fabio. Ah bah les gars, en vrai de vrai, si je fais 2 OP Red Shadow Legend,
J'ai une RS6 hein. En vrai les gars, je fais deux opérettes Shadow Legends, vous me voyez rouler en RS6. Je le fais ou pas? Non, ou sinon pour être raisonnable, je fais deux opérettes Shadow Legends. Je m'achète une RS3, on divise en deux, tu vois, t'as la RS6. Une RS3 pour les abos, une RS3 pour moi. Ça fait... Ça, normalement c'est une RS6, on la divise en deux, ça fait deux RS3. Mon ref, en vrai 20k c'est bien, merci Mickaël, merci mon ref. Ça fait plaisir, concentre-toi. Ouais, faut que je me concentre, merci Losa. On s'en fout, on parle avec le chat. On n'est pas là pour faire de la compétition. Par contre, vous inquiétez pas, on est là pour faire un top 1. R Grizzly, merci mon ref. RG Grizzly. En vrai fait... Ah, en vrai les gars, ça a abusé quand même. En vrai, je le ferai un jour. Vous le savez très bien, un jour je le ferai. Mais je ferai pas une OP pour payer ma voiture par exemple. Généralement quand je fais des OP, c'est pour payer des projets vidéo, t'as vu. Alors si je fais des OP, c'est pas pour ça rentre pas direct dans ma poche quoi. L'argent d'une OP généralement c'est pour c'est pas pour acheter des sacs à dos quoi. Tiltel, Grizzly, Rockleyrise. Allez, on va retourner là-bas. C'est parti. Merci beaucoup, les gars. Hein, tous ceux qui sont là, qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent, qui sont présents sur le live, ça fait plaisir. Reprends ta faucheuse. Ouais, faut que je change ma pioche de merde. 20 à Cover Caverne. Elle est où quand la prochaine vidéo? Ouais, y a pas de vidéo samedi, les gars. Merci beaucoup R Grizzly, merci mon ref. Ouais, samedi les gars, pas de vidéo. Parce que la vidéo de l'anniversaire, j'ai trouvé incroyable, je préfère la laisser deux semaines sur la chaîne en mode tranquille. Les gens qui l'ont pas vu, ils ont le temps de la rattraper. Et par contre, après, semaine prochaine, nouvelle vidéo. Ouais. Vous rappelez de 24 heures en voiture? Je sais pas s'il y en a qui se rappellent. Je fais l'épisode 2 là. Je vais faire l'épisode 2 de 24 heures en voiture. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient pas me fight lui? Épisode 2 de 24 heures en voiture. Ça va être carré. Hop. Hop, tout le monde est parfait. Le mec s'est barré. On va aller chercher les gants de Spider-Man. Mais j'ai pas d'arme en fait. Attends, mais il est caché. Logiquement, il est dedans, non? Ok, ça se casse pas en fait, celui-là. Celui-là, il se casse pas. Je vais pas tilter les gars, on va se faire laver. Ok, un sac Spider-Man. Faut que je le prenne. Parfait. Et là, on va prendre le coffre. Alors ça, mec, je comprends pas. Ça marche une fois sur 10. Gros dédicace Jade. Merci, mon ref. Merci beaucoup. Ok, parfait. On prend ça. J'ai pas d'armes, va falloir qu'on fight pour avoir des armes. Merci R Grizzly, je t'avoue là je joue en solo mon ref. Je t'avoue c'est solo, merci mon ref. Mais je reste en solo là. Hop parfait, y'a pas de mec là? Non y'a pas de mec. Là y'a du stuff mais bon voilà. Je suis tout seul dans mon bled là ou quoi? Ouais je suis tout seul hein. Oh c'est un mec. Ça dégage. Mais il a cru qu'il l'a laissé échapper en plus. Il a cru qu'il l'a laissé échapper. C'est bien de croire en ses rêves hein. Regardez, regardez ce que je vais lui mettre. Oh non. Oh non. Il va s'échapper? Il va vraiment s'échapper? Il va réussir à s'échapper, putain. Même pas, il s'échappe. Alors là, même pas, il va s'échapper, je te le dis. C'est mort. Ok, il est là-bas. Oh, il se heal et tout. Il se heal, il se heal, il se heal. On laisse pas se heal.
il se met bien là, dis donc, le poteau. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il a combien d'aspects, les gars? C'est n'importe quoi. Comment il est encore en vie? Il prend deux chargeurs en pleine face. Frérot, Clash Royale avec Gotha, franchement, c'est trop bien. Merci, Mickaël. Merci, mon ref. Mais là, il est au ski. C'est pour ça que je suis en solo, là, sur Fortnite. Gros, je comprends pas ces games de merde, là, les gars. Je me fais laver par des merdes. Je comprends pas. Gros, il avait combien d'HP, gros? Je lui ai mis un chargeur. Mec, c'est n'importe quoi. Je suis sûr il avait peut-être 10 HP, même pas. 2 HP, ouais, non, c'est trop. 2 HP, mais autant mourir. TK, c'est rien. Merci, bon ref. Faut que je fasse top 1. De toute façon, on l'a dit, faut que je fasse top 1. Oh, il avait 2 HP, frérot. Qu'est-ce qu'il faut encore en vie à 2 HP? La purée en pleine face. Ouais, ouais. Je lui ai mis la purée en pleine face et il reste en vie, mais... T'as bien joué en vrai. Bah ouais, j'ai bien joué, mais non en vrai. Mais normalement, il est mort fois 100. Mec, normalement, il meurt fois 100. Je comprends pas comment ça passe, ça. Les gars, j'ai racheté des gemmes sur Clash Royale. Faut que tu partages mon OpenSea, j'arrive pas à vendre des NFT. Je suis lancé il y a 2 semaines, toujours pas de vente. Merci, mon ref. Je t'avoue, je peux pas trop faire ça parce que je sais pas si ton projet il est qualitatif ou pas et ça se trouve tu vas arnaquer des gens. On sait jamais. Hein. Je peux pas, bon bref. Je peux pas promouvoir des trucs où j'ai pas vu, j'ai pas envie que ma communauté se fasse niquer. Je dis pas que t'es un arnaqueur, hein, mon ref. Je dis juste, je peux pas partager n'importe qui, frérot. Allez, faut que je joue correctement. Elle est où la grotte, les gars, que vous voulez que j'aille? C'est ça? Vous voulez que j'aille là? Elle est bien, cette grotte? Tu regardes un peu la Ligue 1? Tu penses quoi de Lens cette année? Merci, mon ref, je regarde pas la Ligue 1 là. T'es la honte de la France. Mais non, le live est pas encore fini. Je vais faire top 1. Si je fais pas top 1, je suis la honte de la France. Je suis d'accord. Et quand tu sors ta prochaine vidéo? Samedi prochain, mon ref. Eh les gars, l'épisode de Demon Slayer samedi, il dure combien de temps? Il y en a qui m'ont dit il dure 40 minutes. C'est vrai ce mensonge ou pas? L'épisode de samedi, il dure 40 minutes, c'est vrai ou pas? Si c'est vrai, je me fous en caleçon. Je me fous à poil. Oh, j'ai envie de tarter une mouche. J'en peux plus, j'en peux plus, y'a pas d'âme, y'a pas d'âme. Y'a pas d'arme, je fais que des games de merde. 40 minutes, c'est vrai? Il dure 40 minutes? Il dure vraiment 40 minutes? Prochain game, je fais top 1, c'est bon, je m'en bats les couilles. Et les gars, la grotte là, j'y retourne plus, y'a trop de monde, je crois. 45 minutes? Oh, ça va être une masterclass. J'ai trop hâte, les gars. J'ai trop hâte. 40 minutes, 40 minutes. Oh, j'ai trop hâte. Ça va être trop sale, ça va être trop sale. C'est très miteux, ça. Bon, encore une game de merde. T'es indécis aussi. Bah ouais. Ma frère, votre pécho, c'est possible, elle a 20 ans. Merci, Alicia. Non, c'est pas possible. Rosdicas, Louis, merci. T'es un crack. Est-ce qu'il y aura des vacances d'hiver des croutons? Non, on n'aura pas. Nox, t'as quoi? 45 minutes, l'épisode, il va être incroyable. Putain, j'ai hâte de le voir. Putain de merde. En vrai, Demon Slayer, c'est le meilleur animé. En termes d'animation. Pas l'histoire. L'histoire, elle est bien, mais sans plus, t'as vu. L'histoire, ok, bon. Pour l'instant, hein. Pour l'instant, l'histoire est bien, mais sans plus. Par contre, l'animé, il est incroyable. Il y a que les aigris qui disent que c'est de la merde. Faut être aigri pour dire que l'animé est éclaté. Je pense qu'il y a des mangas, tu leur mets une animation comme celle de Demon Slayer, tout le monde les regarde. C'est sûr, il y a plein de mangas pas connus, mais qui ont une animation éclatée, du coup, on parle pas trop d'eux. Mais l'animé Demon Slayer, c'est le meilleur. Pas l'histoire. L'histoire, bon, c'est pas la meilleure. Mais l'animé, en termes d'image, c'est le meilleur. Enfin, de ceux que j'ai regardés. Hein, parce que oui, moi, j'ai pas regardé tout, les gars.
J'ai pas regardé tous les animés qui existent, mais j'en ai regardé 10. En termes d'animation, sur les 10 que j'ai vus, c'est le meilleur. Après, l'histoire, c'est pas du tout le meilleur. L'animation est incroyable, mais niveau histoire, One Piece. Ouais, moi aussi. Niveau histoire, One Piece au-dessus. Mais même Dragon Ball, Naruto et tout, c'est au-dessus de Demon Slayer. En termes d'histoire et tout, pour moi, c'est au-dessus. Créer un NFT, ça serait trop stylé. Non, 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 non. C'est compliqué, hein, les trucs d'NFT et tout. Merci, Grizzly, il a zoomé sous côté de ouf. Ouais, à l'époque, c'était sorti. À l'époque, quand je regardais la télé, ça, Inazuma Eleven. Inazuma Eleven, c'était sorti il y a longtemps. Non, pour l'instant, je crée pas d'NFT. Faut s'y connaître un peu et tout. Ça prend du temps. Tu crées pas un NFT comme ça pour les vendre et après... après, oublier le projet et tout, alors qu'il y a des gens qui ont mis de l'argent. Encore un petit sub, merci Zyrox, ça fait plaisir. Hop. Niveau SNK, histoire incroyable. SNK, moi j'ai pas aimé les gars. Je crois que je suis le seul français à avoir pas aimé. J'ai pas accroché en fait. Mais j'en doute pas que ça doit être incroyable quand tu te mets dedans, mais... J'ai regardé 14 épisodes, j'ai pas accroché. Normalement, 14 épisodes, t'es censé accrocher un peu quand même. Oh, y'a des mecs. Y'a un mec juste au-dessus. Bah oui, il passe à travers. On l'a tous vu. Le chat. Voilà, tu, s'il vous plaît. On est témoins. Est-ce qu'il y a des témoins? Qui l'a vu passer à travers la construction? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis fou? Je crois bien que je suis pas fou, hein. Nox, t'en pensais quoi de Spider-Man No Way Home? Incroyable. Après, il est incroyable pour les gens qui ont regardé tous les Spider-Man et qui ont kiffé le délire comme ça. Parce que voilà. Un mec qui regarde Spider-Man comme ça pour la première fois, c'est pas le meilleur Spider-Man, tu vois. Mais un mec qui a regardé tous les Spider-Man, qui kiffe Spider-Man. Il regarde No Way Home, il kiffe sa mère. Qui me tire dessus? Grudicas Lola, merci. Grudicas Jotax. Y'a plus de Spider-Man. Il commence à me saouler lui. Ça va me rush. Faire Bellec. Ouais, un mec qui arrive. Hein. Pas pourquoi, mais je le sens. Ok, parfait. Parfait, on est bon. Aujourd'hui, j'ai passé ma visite médicale au travail. C'était ma pire journée. Je suis pas sorti à la bonne. Sorti sur la voie. Merci Coralie pour ta donnette. Sorti sur la voie. Pas fait que je fais en retard, c'était horrible. Coralie, t'as passé une mauvaise journée, mais au moins t'es enfin chez toi, tu peux te reposer, t'es devant mon live, ça fait plaisir. Il est passé à travers, bien sûr qu'il a passé à travers, les gars. Et après, je serais mort, hein. Imagine, je serais mort, comment j'aurais ragé. Mon Marvel préféré, c'est Spider-Man, les gars. C'est qui, vous, votre Marvel préféré? Ok, y'a des mecs là. C'est quoi votre Marvel préféré? J'entends des mecs. Il y a des mecs là. C'est bon, je suis chaud. C'est elle le top 1. Je vais manger à tout mon ref. J'ai pas mis une balle, fait chier. Honteux. Ça va se taper fort là.
qui l'a tué. Masitsuki. Michou, il joue à PKM. Casser les couilles avec son Clash Royale. Elle a le droit de jouer à Clash Royale, mon ref. Moi aussi, j'y joue à Clash Royale. Ah, il joue avec son PK. Non, j'ai pas compris. Merci, mon ref. J'ai plus de balles. Ton niveau, j'ai encore, tu me risques qu'il t'arrive que du bonheur. Encore longtemps, profite. Bah, merci, Ticia, ça fait plaisir. Merci, GNB. Merci, Ticia. Merci du fond du cœur pour ton message. Merci beaucoup, Ticia. Merci beaucoup. J'ai pas de balles, je fais comment? Je me casse ou je reste? Je me casse ou je reste? Option 2, je me casse. Je me casse, j'ai pas de balles, ça sert à rien, il va me tuer. Il va me tuer, je vais encore rager. On va retourner au lobby. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Non. Venez, on se barre. On prend des balles, on se stuff. Voilà, on prend ça. On se met bien. Parfait. On prend les petites balles qui nous manquent. On se stuff tranquille. Bah, on est bien là. Voilà, c'est une game qui sent le top 1 tout ça. Enfin je pense hein. Ça aussi on prend. Hop, on est bon. Hop, tout ce. Mais des fois j'entends des bruits, j'ai l'impression que ça me rush. Grosse dédicace pour ta chérie Alex. Merci Ousmi. Merci mon ref. Tes lèvres sont les meilleurs. Merci mon ref. Ceux qui disent Captain Marvel, honte à vous. Merci GNB, t'es un crack. Spider-Man, c'est pas vraiment un Marvel, c'est Sony. Ah ouais, c'est pas Marvel, Spider-Man? Comment ça, c'est pas Marvel? C'est Marvel ou c'est pas Marvel, Spider-Man? Pour moi, ça a toujours été Marvel. En train de faire mon sport devant ton live. Oh, le crack. Vous êtes des génies, les gars. Comment ça, Spider-Man, c'est pas un Marvel? Alors, les gars, je crois que j'ai dit des conneries. Hein. J'aurais peut-être... Putain, ça me fait peur. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent sur moi. Hop, ça. Allez, on se casse. On se casse faire top 1 là. Je crois qu'on n'a pas leur temps, les gars. Il y a la zone qui me poursuit. On va reprendre un grand Spider-Man s'il y en a d'autres. Mais je pense qu'il y en a plus là. Ah, s'il y en a un. Voilà, on pète. On est bon. Gros spot là-bas. Si, c'est un Marvel. Ok, bien vu, les gars. Je sais pas pourquoi les gens, il y en a un qui m'a dit que c'est Sony. Bah, Sony c'est Marvel non? C'est une collab. Oh y'a un mec. Je vais l'allumer. Regardez le laser de l'enfer. Bon bah il avait plus de vie. Il avait plus de vie, pourquoi il s'est pas mis de la vie? Je crois qu'il a pas eu le temps. Bah parfait ça. Peut-être qu'il était contre un mec non? Qui pronostique le top 1 là dans le chat? Oh y'a du monde là. Oh ça se tape. Parfait. Faut les niquer de loin. Venom c'est une dinguerie je te trouve moi perso. Merci mon ref, j'ai pas kiffé le dernier Venom. Merci Kylian. Ah ouais, regardez-moi lui là. Je me casse. Je joue pas. Lui, il joue trop. Il joue trop en mode poussy lui. Ça m'intéresse pas ça, ce genre de truc. On se casse. Putain, y'a trop de brume là, c'est injouable là. Pronostic top 3, mais force quand même. Non, hier les gars, on a fait 3 top 3. Hors de question, je refasse un top 3. Ouais, c'est quoi cette construction là-haut là? Attends, est-ce que je peux monter là-haut? Oh, oh, oh. Oh, parfait. Mais les gars, on voit rien du tout. C'est quoi cette brume là? On se croirait au début du jeu? Vous vous en rappelez, au début du jeu, il y avait là une brume comme ça, gros. Il y avait la même brume. Ça pue le top 1, là, moi je vous le dis. Du coup, on voit rien du tout, frère. Ça casse les couilles ça.
Ça, ça peut désavantager de ouf, non? Qu'on voit pas comme ça. C'est normal qu'on voit rien? Est-ce que c'est normal ou c'est moi, les gars? Comment ça se fait qu'il y a autant de brume? Vous allez courir jusqu'à quelle heure demain, les gars? Demain, c'est les vacances, putain. Demain, c'est les vacances, là, pour ceux qui sont parisiens, là. Oui, Spider-Man. Le vrai Spider-Man, c'est moi, les gars. Il est où? Je le vois pas. Ok, il est là. Regardez le jump, là. Ça va être trop sale. Trop dangereux de rester là. Il est où? Je le suis, hein. Lui, je le chope. Lui, les gars, j'en fais mon travail. Casse les couilles, lui. J'ai plus de build ? Oh ouais. Parfait ! Let's go, les gars, ça part de là ! Ça part de là ! Le top 1 ! Merci, Grizzly. Ouais, il était relou, lui, les gars. Fallait lui mettre une correction. Merci, Florian. Ça sent très bon, cette histoire, les gars. Oh. PM en or. On se barre parce que lui, je le sens pas, le mec. Merci, coucou. Merci, mon ref. Combien de gens là? Parfait, ils me suivent pas. Gros spot, on prend. Fais gaffe, t'as pu construire. Ah oui, bien vu les gars, bien vu. Faut que je prenne ta construire, bien vu. Salut BG, bonne chance pour la game, merci mon ref. Ça sent bon là. Ça sent bon cette game. Il s'est barré ou il est encore là, lui? C'est lui qui s'est barré ou c'est un autre? Ok. Je vais le laver, lui. Lui, il a voulu faire le malin. Va falloir assumer les conséquences. Va falloir en assumer les conséquences. J'ai combien de balles? Je suis large. Je vais le laver, lui. Hein. Des flammes dans le chat. Je soulève. J'ai mis tout son build.
rappelé que j'avais pas de build. Putain, j'avais zappé que j'avais pas de build. Fais chier. Ça joue trop sa vie, les gars, maintenant. Merci, Boulbouze. Je vais loot toute la maison. Parce que je gagnerai jamais. Ça se tape là-haut. En vrai, faut que je tue un mec. Hein. Faut que je tue un mec et je récupère tout son build. Parce que si je dois looter, là, j'en ai pour 10 ans, les gars. Par rapport à Spider-Man, c'est juste Marvel qui a revendu les droits. Ok, merci mon ref. Ok, donc quoi, c'est un truc de revente de droits Sony et tout. Oh, y'a un mec là. Parfait. Et ça, my bad. Ça pue la merde, là, les gars. Pourquoi il focus? Putain, je suis tranquille dans mon buisson, je fais chier personne. Pourquoi tu viens me faire chier? Ils sont pas gentils, wesh. Putain, on fait chier, il y a un incendie dans le chat. Merci mon ref. Merci à Starbucks. Merci mon frérot. Bah, je vais essayer en avril ou un truc comme ça. Putain, les gars, faut qu'on l'ait, stop 1 là. À chaque fois on passe à côté. En fait, j'ai jamais de build. Je suis un rageux, les gars. J'ai jamais de build. J'ai niqué trop de build contre l'autre. En fait, à chaque fois, je mets l'eau des mecs et à chaque fois, ils se barrent. Prends des construits. Bah ouais, mais je pouvais pas. Je me faisais rush depuis tout à l'heure. Il y a des gens, ils arrêtaient pas de me rush. Faut que j'ai plus de build. À chaque fois, ça me nique de pas avoir de build. En plus, j'avais la PM mythique. J'étais trop bien. Gros, il y a toute la map à me tirer dessus, frère. Ma soeur te connaissait pas. Je lui ai fait voir une vidéo de toi, elle te kiffe. Elle a dit go les 5 millions avant la fin du mois. Merci Gonzalo. Merci Grizzly. Vous pensez que je les ai quand les 5 millions, les gars? Vous pensez que c'est quand qu'on est 5 millions sur la chaîne? Chiche. Et merde, Grizzly. En vrai, c'est... Il y a encore de la marge, hein. Il y a encore 150 000 abonnés, les gars. Hein. C'est pas en claquement de doigts. Hein. Vous voulez que je fasse un live quoi pour les 5 millions, les gars? Putain, moi j'ai envie de faire un top 1 là, ça commence à me saouler. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de top 1 là. Je commence à avoir chaud dans mon studio, y a pas la clim. Merci Mac pour ta donate. Dans 2 semaines, ouais, abusez pas les gars, abusez pas. Je pense dans 1 mois, ouais, abusez pas. 1 mois. Va à la grotte, tu vas être full build mythique légendaire. Ouais, mais le problème c'est qu'il y a trop de gens à la grotte, les gars. Je vais être dans la merde moi si je vais là-bas. Là, je vais aller à Daily Bugle là. On va essayer de sortir vivant de cette dinguerie là. Live 24 heures. Allez, je suis chaud. Je suis chaud, live 24 heures. Hot tub. Oh, les ouf. Live 24 heures. Mais qu'est-ce qu'on pourrait changer des autres live 24 heures? J'aimerais bien faire live 24 heures dehors. Le problème c'est qu'il y a moyen qu'il y ait des crash co et que ça coupe le live toutes les 3 secondes. Et ça peut devenir très relou. Donc je suis pas sûr de cette option.
Tu es moi. Ok, c'est bon, il m'a pas vu. J'ai loupé toutes mes balles, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute, les gars. Refais un live 48 heures. Non, non, je referai pas 48. 24, ok, mais 48, je referai pas. 48, c'est trop long, les gars. Putain, j'ai le seum, mais on fait que des games de merde. Allez, les gars, faut qu'on se motive là. Faut qu'on se motive, on claque un top 1. Au top, c'est dans un jacuzzi. Mec, moi, je suis capable, hein. Je suis capable pour mes 24 heures de faire un, de mettre un jacuzzi dans mon studio et me déguiser en Spider-Man et me baigner en Spider-Man dans mon jacuzzi. Vous voulez ou pas? Imagine, je fais ça. Non, c'est trop rare si je fais ça. 24 heures dans un trampoline park. Salem, Salem le sang. Salam mon ref. 24 heures dans un magasin. En vrai, ça aurait été dard, genre 24 heures et on se barre en France et tout. Le problème, c'est que ça va crash. C'est sûr, la coup, elle va crash. Reste jusqu'à la boutique. Oh non, les gars, ça va. Comment t'as fait pour percer sur YouTube? Je sais même pas. Il y a de la chance, hein. Non, j'ai toujours voulu faire ça, mais à un moment, il y a un jour qui est arrivé que... Merci, Azrin. Ça fait comment? Ça va ou quoi, mon ref? Wesh, ça va ou quoi? T'étais là hier, en plus, le boss. Live test de pureté, t'as grandi. Non, il y a encore des bugs sur l'application, ça marche toujours pas. C'est chiant quand même, l'application, ils savent pas la coder correctement. 24 heures, tu réagis à des anciennes vidéos. Bah dans mon 24 heures, dans mon live 24 heures, on pourra faire ça. Hein. 24 heures dans un zoo. Ouais, 24 heures, je suis dans le truc avec le tigre, ouais, toujours plus les gars. Mais... ce qui est chiant, c'est que depuis que j'ai un peu de barbe là, tu vois les poils de bite là, et ben je me les tords comme ça, je me les tortille. C'est chiant. C'est chiant là, c'est. Relou, un peu trop relou. Oh merde. Est-ce qu'il y a un coffre en bas? Parfait, il y a le coffre. Parfait, lui je. Alors toi, t'as voulu m'attaquer? Parfait, un de moins. Ok, un Spider-Man. Lui, faut que je le fume, les gars. Il a plus de vie. Il a plus de vie. Oh oh. Lui, il a plus de vie. Et voilà les gars, ça part de là. Ça part de là le top 1. Dans le chat, c'est maintenant. C'est cette game. Les deux kills comme ça là, je les sens bien. Ah non, j'ai eu. Non, maintenant j'ai 3 kills là, je comprends pas. Et il faut, il y a une fausseté dans le pâté là. Il y a une couille dans le pâté là. Ok, là c'est cette game les gars. C'est cette game, je le sens bien. On va se concentrer, on va jouer notre vie. On va prendre du build, cette fois je vais pas me faire avoir. Je vais prendre du build fort. Il n'y a plus de lamas, j'arrive plus à avoir des lamas. Ils ont enlevé les lamas ou quoi? Pourquoi il n'y en a plus? Tu sais que tu me redonnes le sourire, que ce soit en live ou en vidéo, et une personne en or. Mais merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir ce genre de message. C'est vous les personnes en or, wesh. Merci, tu gères. Parfait, hop, là on est bon. Je vais ouvrir la glacière. Ok, pizza, nickel. Pizza, elle est pas au-dessus, ok. Ok, c'est pas grave, on est bon. Je vais ouvrir la glacière là-bas, il y a peut-être une grosse pote dedans. Ou des splashs. On prend du build, encore et encore, voilà. Cette game, je la sens bien. Cette game, je la sens très très bien. Ok, il n'y avait rien dedans. Je suis sur tous tes lives, ma daronne en peut plus. Hier, elle a failli me mettre dehors parce qu'elle en a marre de t'entendre rager. Ah ouais? Je crie trop? Mets le son à fond, mon ref. Je vais lui faire un message. Tu me dis quand c'est bon? Ok. Tu me diras ce qu'elle t'a dit. C'est le gros bâtard. Là la daronne elle va le tuer. Il va être interdit de regarder mes lives là, c'est fini. Les gars, lui on le voit plus. Et lui les gars, il a plus de compte YouTube là. Je crois qu'il s'est fait confisquer le téléphone là.
Attends, est-ce qu'il y a un coffre là-haut? Ok, ils ont... Ah si, il y en avait un. Parfait. Hop, on prend les splashs. Voilà, nickel. Ok, on est bon. Et maintenant, il y a juste à foncer sur des mecs. Hein. Attends. Let's go. On va aller là-bas. Ouais, là-bas, il y a des constructs, ça veut dire qu'il y a des mecs. Putain, tu vois, il y a des bugs de trucs comme ça, c'est chiant. MDR. Les gars, le pauvre. Le pauvre, la daronne va le tuer. La daronne va le tuer. Il reviendra plus sur les lives. Ok, il y a un mec, c'est sûr. Oh, il y a du stuff, ouais. Oh, il y a des pizzas. Je peux stacker? Ouais, je crois que je peux stacker. Hein. Oh non, on peut pas stacker les pizzas. Mais... Ok, je vais prendre ça. Il y a du build, sûrement. Bon, on voit, il avait pas énormément de build. Mais il y a forcément un mec, là. T'aurais 5 millions seulement si tu me payes PayPal. Ah, mon ref. Pas d'argent. On oublie pour les 5 millions. Non, ça va, elle est partie il y a une semaine. Elle me manque pas, hein. Une semaine, les gars, elle va pas me manquer en une semaine. Comment je ferais quand je dois attendre 4 mois? Là, je la revois dans 4 mois, les gars. Imagine, elle te manque déjà, t'es mort. C'est que t'es piqué. Moi, je suis pas piqué, les gars, j'ai un cœur en pierre. J'ai un cœur en bedrock, gros. À quand le mariage? Les gars, arrêtez de me parler d'Andrea, les gars. Et moi, je vous ai dit, je veux pas que ça soit notre premier sujet de discussion, frère. Je vous ai dit, je la reverrai que pour la vidéo. Vous la reverrez que pour la vidéo du date hashtag 2. Après, c'est fini, les gars. Ça reste privé après. Même là, c'est déjà privé. Hein. Quand elle est venue, j'ai pas mis trop de story. Hein. J'ai pas mis de story avec elle. À quelle heure tu finis le stream aujourd'hui? Merci beaucoup, mon ref. Je reste jusqu'à la fin. Oh, le crack. Bah, je finis le stream vers. Oh, il y a des éclairs là-bas. Je finis pas le stream très tard en vrai, vers 22h. Juste pour te dire que t'es le boss. Merci mon ref, t'es un crack. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci Ponyzy. Merci mon ref. Je suis à la télé, y'a ma petite soeur à côté. Ok, bon, je fais gaffe. Là, il est 24h, tu fais un son. Merci mon ref. Y'a pas de mec là. Pourquoi y'a pas de mec là? Trouvez-moi des ennemis là. Oh, y'a un mec. Bah voilà, suffisait de demander. Je me fais rush par un mec derrière. Pauvre, elle t'a entendu, je suis allé. Non, la DS. Non, je derrière. La daronne l'a entendu. Je me fais rush par derrière, je l'entends, mec. Je joue à Fortnite, je me fais stream hack à chaque fois. On peut plus, les gars, on peut plus jouer à Fortnite en fait. On peut plus jouer, les gars, on peut plus jouer. Voilà, faut le dire. On peut plus jouer, les gars. On peut pas être tranquille. On est obligé de se faire rush par des mecs qui sortent de. Je sais pas d'où, frère. Les gars, c'est pas un karma. Le mec a fait exprès. Moi, si, c'est un karma. Merci Artex, je sais pas encore. C'est trop chiant, les gars. Je fais des games de merde. Vas-y, je vais aller à Tilted, c'est bon, ça m'a saoulé. Les gars, c'est trop chiant. On est là, on est tranquille, on veut faire top 1. T'as des mecs qui rush. On est dans le trou du cul de la pampa. T'as des mecs qui arrivent à me rejoindre. Oh, le karma, il était sale. Oh, le karma. Merci Steve, je sais pas, mon ref. Oh, le karma, il était sale. Putain. J'ai à peine rigolé. J'ai reçu une balle. Arrête de crier au streamac tout le temps, putain. Ouais, non, mais en vrai, il n'y a pas forcément tout le temps des streamac, hein. Mais une fois sur deux, c'est des streamac, mon ref. Hein. Enfin, je sais pas, mais je pense que vous voyez. Hein. Je dis pas que lui, c'est forcément un streamaker. Hein. Mais je pense que... En tout cas, une fois sur deux, les gars, les mecs qui me tirent dessus, c'est des streamakers. On va la tilted, là. Bon, les gars, on va la tilted. En fait, faut aller à Tilted pour montrer de quoi on est capable. Ça va, Eric, ça fait plaisir. Merci, mon ref. Mon ref. Merci beaucoup, moi.
Franchement, t'as le droit à une vie privée, c'est ton choix. Merci Tissia, ça fait plaisir. Bah oui, c'est normal. Essaye de changer ta cam quand tu appuies. Prêt. Pour que personne ne peut te stream hacker. Non, mais en vrai, flemme les gars de mettre ma cam en grand avant de sauter. Flemme. Flemme de ouf. Ça changera rien de toute façon, les gars. Pas grave, c'est pas grave. On va réussir, on va réussir. Merci Habib. Merci mon ref. Il y aura Clash Royale, aura, si vous voulez, on fera 2-3 games. J'ai acheté des gemmes, on ouvre des packs là après. Avant je coupe le live et go. Trop sale le karma. Trop sale. Allez les gars. Bon là je pense que pour le coup ça va vraiment être Zga. Pour le coup là ça va vraiment être beaucoup le Zga. Faut qu'on ait une arme directe sinon ça pue la merde. Parfait. Zga mec au-dessus de moi. Lui, qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce qu'il m'a fait lui les gars? Qu'est-ce qu'il m'a branlé lui? Qu'est-ce qu'il nous a fait lui? Il nous a fait un petit saut de la mort. Hop, parfait. Je pense le pompe là il est mieux. Non, pompe vert c'est mieux quand même. Ok, là j'ai du stuff. Faut pas bouger d'ici les gars. Faut pas bouger d'ici. Faut garder ce stuff. Il y a sûrement un mec là. Pas oublié, faut que je prenne du build hein. Rappelez-moi quand j'ai pas assez de build. Ok, on va remonter tout en haut. Ça c'est stream hacker hein, t'as capté. C'est pas nouveau. Il boit 2 potions. Allez hop, ça dégage. Je crois que ma grenade elle lui a mis moins 100. Ça lui a mis moins 100 ma greu ou pas les gars? Je crois. Ça lui a mis moins 100 magreux. Je crois que magreux lui a fait du sale. Ouais magreux l'a niqué en fait. Heureusement qu'il y avait l'agreux hein. Sinon je crois qu'il m'aurait détruit la gueule hein. Allez ressortir du vent tilted les gars. Prendre du build. C'est la priorité. J'entends un mec. Je suis une cible. Je gagne quoi être une cible s'il vous plaît? Je gagne quoi être une cible? Il est en dessous mec. Pourquoi je suis une cible? Pourquoi c'est tout le temps moi la cible? C'était cool quand t'as fait un jeu d'horreur, j'ai flippé, j'aimerais que tu refasses Five Nights. Ah mais les gars, depuis Five Nights Freddy, je me suis fait une un torticolis, j'en refais plus depuis. Il l'a tué je crois. Ok, il y en a deux ici. Mais je me fume, regarde. J'ai même une balle. En quelle année il met une balle lui? Il a de la vie ouais je pense. Il me faut d'huile. Je fais quoi les gars? Je les rush? Je me casse. Le build, bien vu les gars.
Je sais que j'ai pas assez de build. Ils savent pas où je suis de toute façon. Oui, bon, toujours plus. Attends ce chien. Je suis mort les gars. Il y a un mec qui te streamac. Merci mon ref. Blague sur les magasins, elle a pas super marché. Franchement celle-là tu pouvais la garder mon ref. On la connaît. Hein. Ok, pomme. Pomme de renette et pomme d'api. Ok, on prend de la vie. On crache pas sur de la vie les gars. On va ressortir vivant de Tiltel les gars, faut y croire. Croyez en moi. Je vais ressortir de Tiltel vivant. Je les call. J'ai encore pas de build mais bon bah les couilles. J'ai jamais de build sur ce jeu. Ok, ça a pas été loot. Comment c'est possible, ça a pas été loot Tiltel. Merci Mathis. Ok parfait. Ok, un coffre. Un slurp. Oh, allez hop, c'est bon. Ça repart de là, la game. La game repart de là, les gars. La game repart de là. Ok, je vais taper le coffre. Ok. Ils sont où les mecs qui se tirent dessus? Ils sont là. Je le vois. J'y vais ou pas, les gars? J'y vais ou pas? Je la tente? En vrai, je suis chaud d'aller le tenter. Hein. On a rien à perdre de toute façon. Je monte tout en haut. Sur les mains. Oh là 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 là! Let's go! Let's go! Let's get it! Let's get it! Let's go! Ça les gars c'est bon ça. Non build, ouais mais les gars ça l'a fait. Malgré le non build on ressort vivant de Tiltel, je pense qu'on peut s'applaudir dans le chat. Un max d'applaudissements, on est ressorti de Tiltel vivant, c'est beau. C'est magnifique ça les gars. C'est magnifique. On est en bon début de game. Ça sent le bon, cette histoire. Cette histoire, ça sent très bon. Maintenant, go prendre du build. Il y a un Spider-Man. Il nous faut les gants maintenant. Si on a les gants, c'est gagné. Bah, les coups de la couronne, les gars. Ok, là-bas, ça s'est tapé fort. On tue le mec à les gants et on gagne. Ok, go, go, go. J'ai pas le temps à perdre. Ça va se taper. Parfait. On n'a pas la zone. Il a des gants. Les gars, je pense qu'on peut s'applaudir. Hein. Je pense qu'on est monstrueux. Mais je suis pas sûr. Un peu de chance, je peux faire ça et me barrer en Spider-Man. Et là, on se barre. Voilà les gars, GG! GG ça!
très bon début de game. C'est parfait comme début de game ça les gars. En plus on a un Spider-Man dans Tilted. On a juste à se barrer. Voilà, j'ai du build, faut que je reprenne. Ok, faut casser la structure. Okay. Touché. Juste à péter sa structure, il va tomber de haut. Ça va lui faire tout drôle. Oh là 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 là. Oh là là, le stuff. Le stuff monstrueux. Le stuff est monstrueux. Le stuff est monstrueux. La game est monstrueuse les gars. Le stuff et la game est monstrueuse. C'est peut-être... Je vais rien dire. On va pas se porter la poisse. Prends du build et ferme ta bouche. Oh là 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 là, les gars, on est très bon, on est très bon. Je suis pas sûr de ce pompe en tout cas. Je suis pas sûr que c'est le bon move de prendre de ce pompe. Dites-moi, faut que je vise avec ou pas? Oh là là, on a que du... On a que du légendaire, on a mis un laser monstrueux. Qui sortait tout droit d'un dégradé d'Ertis, dégradé laser. C'est monstrueux. PM mythique. J'ai des... Ah non, c'est... Comment vous avez su que c'était mythique? Comment vous avez su que c'était mythique, les gars? Ça se voit pas pourtant. Mais elle a un recul de ouf. Un de moins. Toi tu fais chier mon kill. Je vais t'apprendre les bonnes manières toi. Chez mon pote Francky, je vais t'apprendre les bonnes manières. Ok. Joue à distance. Je pense qu'il est éclaté à distance. Le chat a un maximum de flammes. C'est maintenant. Il est mort. Les couilles lui. Tout ça pour canner. Voilà. Il m'a quand même fait mal hein. Putain. Il a failli me tuer les gars. J'ai plus de vie, il m'a mis dans la merde. Fait chier. Il me faut de l'huile les gars. Faut qu'on trouve des solutions. Consommons des petits champignons. Ça va nous remettre bien. Voilà, on se met bien en champi. On n'a plus de bois, on va en prendre. Mais le plus important, c'est pas le bois. C'est de la vie. Donc allons chercher de la vie. Est-ce qu'il y a un truc là-dedans? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a ici? Non. Est-ce qu'il y a ici? Non. Là-dedans, il y a ce...
Ok les gars, je joue strat. On va aller chercher le colis. On va aller chercher le colis. Allons chercher le colis sans plus tarder. Dedans, on aura forcément un truc de quoi nous full heal facile. J'ai encore que 26 utilisations du Spider-Man, c'est pas ouf. Et il y a déjà un gars sur le coup. Très dur les gars. Sans vie comme je suis actuellement, c'est quasi impossible pour moi de gagner. Maintenant, avec un peu de chance, on va trouver un heal là-dedans. Et ça va nous faire gagner la game. Hein. J'ai rien dit. Si je trouve un medikit, c'est gagné. Parfait. Ok. Ok, c'est bon, j'ai assez de vie. Il y a un mec là-dedans. Il peut être très dangereux. Mais si on fait pas attention à lui, on s'en bat les couilles. Il sait pas que je vais monter par là, il m'a pas vu. Parfait, et là maintenant faut rush. Ok, là il a peur. Attitude de raciste. Maintenant faut les embêter. Sinon ils vont nous poser problème. Alors lui, faut pas le laisser se barrer les gars. J'ai pas assez de build moi pour la game. La game va me mettre dans la merde. J'ai pas la zone. C'est pire que s'il jouait méga chevalier. Lui. C'est frustrant de jouer à cause d'un... de mourir à cause d'un mec qui joue comme ça. Le mec tout en haut, celui-là.
Faut que je joue avec le mec en bas en fait. Je fais quoi les gars là? Je reste en bas ou pas? Parce que en termes de build. Regardez-moi la gueule de ce mec, regardez-moi la gueule du mec. Regardez-moi la gueule du mec. Il utilise même pas d'armes. Toute la game, il tire avec son lance-grenade. Regardez-moi sa gueule. Regardez-le, ce rat. Regardez-le bien. Putain. Gros, c'est de l'AMM ou c'est du FNCS? C'est de l'AMM. Les gars, ils tryhardent leur vie. J'ai jamais vu ça. Ils prennent la hauteur, ils tirent avec des putains de lance-grenades de merde. Tu veux que je fasse quoi, frère? Les gars, je peux rien faire. Je peux rien faire, les gars. Gros, c'est écœurant, c'est trop frustrant. Les gars, c'est même pas que j'ai mal joué. Si je pouvais rien faire, c'est un raciste. Il joue méga chevalier. Il a pas de race. C'est le seul race. Gros, c'est trop. C'est un raciste. Le chat, on peut le dire, c'est un raciste. Ah ouais, non, c'est trop. Les gars, j'ai tout donné. Hein. Je suis désolé. J'ai tout donné. Merci, Nice. Merci, Mathis. Merci beaucoup, Mister. Ça fait plaisir. Ah, les gars, je suis dégoûté. J'ai trop le seum. Il mérite pas de gagner. Il mérite pas de gagner. Je le dis haut et fort. Je le crie. Gros, toute la game, il était avec son lance-grenade. Je l'ai pas vu tirer une seule fois avec une PM. Rageux. Bah non, mais les gars, il mérite pas de top 1, là. Me dites pas qu'il mérite, lui. Me dites pas qu'il mérite. La game était monstrueuse. La game était monstrueuse. J'avais tué plein de gens. J'avais combien de kills? Je pense que je devais avoir une dizaine de kills, non? Ça se voit, lui, il dit chocolatine. Ça se voit. Je vous taquine. Je vous taquine. C'est un mec dans le chat, il m'a dit ça. Mec, lui, c'est trop. Lui, il lance Clash Royale. Tu sais, c'est quoi son deck? Méga chevalier, géant électro-sorcier, double barbare. Frère, c'est trop. Non, lui. Lui, c'est une honte. C'est une honte. Même j'ai l'occasion de faire ça, je le fais pas. Quoique, je l'aurais peut-être fait aussi. Non, mais en vrai, j'avais trop bien joué cette game. J'ai le seum. J'ai tout donné pour le niquer. Mais malheureusement, les gars, on l'a pas eu. Merci à ceux qui s'abonnent, qui mettent des pouces bleus. Injustice. C'est injuste, les gars. C'est injuste. Il mérite. Ouais, il mérite, les gars. En vrai de vrai, on peut le féliciter. Félicitez-le, il mérite de ouf. Il mérite pas. Même un bombi, il mérite plus d'op 1. Ah les gars, je préférais même mourir de chute contre un Bambi. J'aurais été plus content pour le Bambi que lui donner la victoire à ce raciste. Je vous jure, c'est réel. On se refait un Tilted? Ça a l'air de bien fonctionner, un Tilted. Hein. On est sorti vivant. Hein. Les gars, 1v1, 1v1, règle de l'art, je l'aurais fumé. Gros. Là, cette game, tu vas faire top 1. Bah, les gars, malheureusement, j'ai pas envie d'être défaitiste. Mais là c'était la game du top 1. En mode j'avais tout qui était avec moi cette game. Genre pour refaire une game comme ça, faut que je réussisse mon start à Tiltel. Faut que je me recale bien dans la game avec des bonnes armes. Ça va être chaud hein. Faut avoir de la chance hein. Y a la part de RNG. Là je vais arriver à Tiltel, ils vont déjà tous avoir une arme. Le jeu te permet de faire de la merde. Bah en vrai ouais, le lance-grenade c'est rageant. En fait ce qui est rageant, c'est pas forcément qu'il me joue au lance-grenade, ça me dérange pas. Mais comment lui son lance-grenade, il peut autant spam sans prendre de dégâts, tu vois, c'est ça que je comprends pas. Gros il jette les grenades en dessous de ses pieds, ça lui fait rien. C'est pas logique. Là je suis mort, ok.
Il y a un coffre. En vrai, je suis pas encore mort. Ouais, je suis pas du tout mort même. Ok. Au-dessus de moi. Voilà, je mets 86. Comment il sait que j'arrive là, tu vois? C'est ça que je comprends pas. Bon, je dis pas que c'est un stream hacker, hein, mais... Je pense pas que c'est un stream hacker, mais... Il a eu le bon timing. Il est arrivé, il a eu le bon timing. Je lui ai mis une balle en plus, hein. Dommage, GG à lui. En vrai, là, je peux rien dire, là. On peut rien dire et il a fait jouer normal. Mais je vous ai dit, les gars, la game d'avant, on avait réussi notre start. Là, c'est normal qu'on va regalérer à faire un start, hein. Dès qu'on fait un start, c'est bon. On fait... On fait une dernière game, ça vous va? Dernière game, après on se fait 2-3 Clash Royale. Dernière game, le chat, ça vous va? On fait une dernière... Ok, c'était un stream hacker, allez. Allez, c'était un stream hacker. Pourquoi il s'arrête dans l'escalier? C'était un stream hacker, allez hop. Non, en vrai, ça veut rien dire, ça se trouve, il rangeait ses armes. Non, mais les gars, si vous voulez, on se fait une dernière game. Et après, on fait 3-4 games de Clash et voilà. On est pas mal, non? C'est un stream hacker ou pas lui les gars? Vous l'avez déjà vu ou pas? Je sais pas si vous retenez les noms. Le flamant rose stream hacker me manque. Même moi, Naoxo me manque de ouf. Non, on en refait pas une. Vas-y, bon, quitte alors. Mais j'ai le seum de pas avoir eu le top 1 les gars. Ah, j'ai le seum de pas avoir eu le top 1. Non, pas de clash. Ah non, vous voulez que je fasse une dernière de Fortnite? Ah ok, bon, je fais une dernière Fortnite, après on fait Clash. J'ai pas compris en fait. Je fais une dernière de Fortnite, après on va sur Clash, on fait 3 games et j'arrête. J'arrête le live. Eh, en vrai, mes bras, ils commencent à être stug, non? Les gars, en vrai. Ils sont plus gros qu'avant, non? En vrai, de vrai, En vrai, de vrai, Il y a les petites boules, là. Eh, il y a les petites boules, il y a pas les petites boules. Il y a les petites boules, hein. T'es la honte de France, putain, non les gars, je veux pas être la honte de France, laissez-moi relancer une game. J'en fais une dernière, je veux pas être la honte des Français. Pas ce soir, pas aujourd'hui, pas après tout ce que t'as fait, Sancho. Tu mérites pas ce qui t'arrive, je me désabonne. On a perdu une abonnée qui était très fidèle à ce que je vois. Les gars, on avait une abonnée ultra fidèle qui vient de partir. Malheureusement. Merci d'avoir été là. J'ai aucune rancune contre toi. Chacun fait les choix qu'il veut. Si tu veux revenir, t'es la bienvenue. T'en veux pas, Alicia. J'ai un peu le seum, mais bon. En vrai, on peut pas être aimé par tout le monde. Il y en a qui partent. Il y en a qui restent. Voilà. C'est la vie que j'ai décidé de mener, les gars. Tu dis Doug, c'est Stock. Ouais, Stock ou Doug, comme tu veux. En ça, j'aime pas Clash Royale. Ah ouais, y'en a qui aiment pas Clash Royale? Pourquoi vous aimez pas le jeu, les gars? C'est quoi que vous aimez pas sur le jeu? En vrai de vrai, les gars, c'est le seul jeu mobile où je prends du plaisir, moi, Clash Royale. En mode, je suis là, j'ai envie de rejouer, etc. Je comprends pas comment tu peux pas aimer en mode. Le système, il est stylé. C'est rapide, les games. Merci d'être là, on passe un moment, merci Luor, t'es un crack, merci ceux qui s'abonnent, qui mettent le pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner maintenant, mettre la cloche maintenant. La cloche de notification pour savoir quand je live ou quand je fais des vidéos, c'est toujours important. Frère, tu m'ignores? Bah non, je vous ignore pas, c'est juste que c'est compliqué de voir tout le monde. N'abandonne pas, ça bouge pas. C'est super chiant. Ça c'est ennuyant. C'est trop rageant. C'est ennuyant. Mais qu'est-ce qui est ennuyant? Jamais me partirai, je te kiffe. Merci Ticia. De jouer ou de regarder le live? Parce que le live Clash Royale, vous avez adoré les gars, quand j'avais fait le tournoi. Moi j'aime pas du tout. Moi j'aime pas les jeux mobiles, je trouve que c'est pas si ouf. Va sur Clash après, je me désabonne. Je m'abonne, merci de t'abonner. Fuck celui qui se désabonne, non je rigole. Je t'en veux pas mon ref, ça arrive. On fait pas tous les bons choix dans la vie. Regarde. Il arrive de faire la peau là.
Après les gars, tout le monde ne peut pas être aimé par tout le monde et chaque jeu ne peut pas être aimé par tout le monde. Mais il y a des jeux où je comprends pas que certains n'aiment pas, par exemple, tu vois. Genre Fortnite, bah je comprends pas que tu puisses pas aimer Fortnite, tu vois. Tout le monde est censé aimer Fortnite. Clash Royale, même Clash Royale, je me dis c'est un jeu facile à utiliser. Je vais m'atomiser ma gueule. J'ai pas d'armes. Mais elle s'est pas visée cette arme ou quoi? C'est pas possible. Clash Royale, c'est stratégique, faut savoir jouer. Bah ouais, mais faut s'entraîner. C'est ça qui est dark, c'est un jeu de skill. Sauf quand il y en a qui jouent comme des racistes. Oh putain, mais pourquoi c'est un abonné? Oh, il m'a fait un cœur, je t'aime. Si t'es sur le live, sache que je te love, mon ref. Gros cœur sur toi. Est-ce que un ennemi peut manger ma part de pizza? Ok, ici je sais qu'il y a des pizzas si jamais je suis dans la merde. Rappelez-le moi les gars. J'ai plus de vie en sortant de Titan. Ok, le bâtiment va brûler. En bas ou en haut? En bas. En bas ou en haut, les gars? En haut. Il sort d'où, wesh? Il sort d'où, wesh? Comment il est venu sur moi? Ouais, je comprends pas comment il est venu sur moi. Bon, bah, je suis la salope de France. Hein. En moi, je te suis pour ta personnalité. Parce que même hors caméra, t'es comme en vidéo, tu changes pas grave ton contenu. Deuxième youtubeur préféré, je t'aime trop. Merci Ticia. Je suis le deuxième. Ah les gars, je suis numéro 2 moi. Eh, je parle. Moi, je veux pas être le premier. Numéro 2, ça me va. 2-2-2002, je suis né le 2-2-2002, je suis le numéro 2. Merci Ticia. Merci donc la pince. Bon, bah, ce soir, ça a pas été notre soirée. Hein. J'ai le seum. Je vous avais dit, les gars, que top 1, c'était mort. C'était la game du top 1, on l'a loupé. Fait chier quoi. Non mais il m'a bien défoncé, il m'a bien défoncé. Il m'a bien défoncé. Moi je suis chaud les gars, on se fait 2-3 games de Clash Royale. Et après on quitte, je rentre à la maison. Je me couche pas trop tard, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Fais un deck GMK sur Clash Royale, c'est quoi ça? Non mais les gars, si vous voulez on va faire un pack opening, j'ai acheté des gemmes là. Merci Nox Lapince. Il a déjà fait tomber? Comment ça j'ai déjà fait tomber? Wow. Ok parfait. Alors attendez, 2 secondes. On va. Regardez combien j'ai de gemmes. C'est magnifique ça. Attendez, on va acheter des coffres. Priez pour moi les gars. Priez pour moi. On va acheter des coffres. Pas opening. Allez hop, ça dégage. Ça part au four. Merci Ticia. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on joue à Astronir. Je vais le télécharger après. Je sais pas si on va commencer l'aventure, mais je vais au moins le télécharger à la fin du live. Comme ça, j'oublie pas. Non, là, les gars, je rentre en voiture, pas de Uber. Hier, j'ai dû prendre Uber, mais... C'est moi ou ça bug? Vous voyez mon écran bugué, vous, ou pas? Moi, je me vois bugué, là. Je me vois bugué, je crois. Je crois que ça bug un peu. J'ai mis 100 balles, les gars. J'ai remis 100 balles. Eh, hey, mais c'est trop. Vous m'avez envoyé dans un mauvais truc. Tu pourrais refaire un tournoi Clash Royale? Ouais, je vais en refaire un, t'inquiète. Dans moins d'un mois, il y en a un.
Ça se voit que t'en as marre des stream hackers. Ouais, j'en ai marre. Mais en vrai, là, le dernier qui m'a tué, ça m'étonne. Je pense pas que c'est un stream hacker, tu vois, mais. T'as dépensé combien sur Clash? Je suis à combien, les gars, là, sur Clash? J'ai dépensé combien, ceux qui étaient là hier? Je pense que je suis à 300, là. Oh, nickel, j'ai une armée de squelettes. Faut que j'ai. Un électro-sorcier ou un truc comme ça. Faut que j'ai une légendaire que j'utilise en tout cas. Pourquoi j'ai tout le temps des légendaires que j'utilise pas? Ok les gars, max de flammes pour me donner de la chance dans le chat. Non, un max de trèfle à 4 feuilles. Trèfle à 4 feuilles. Ok. Est-ce qu'il y a des mecs, des pros qui jouent le clone? Est-ce qu'il y a des pros qui jouent le clone? Je pense pas en vrai. Ouais, j'ai mis 300, je crois. Je crois que j'ai mis 300 dans le jeu, les gars. Attends, je vais fumer Michou en 1v1, là. Je vais lui proposer 1v1. Merci, Memo. Merci, Love, pour ton sub. Merci, mon frérot. Attends, je vais fumer Michou en 1v1, attends. Attention, légendaire. Ok, je vais prendre le cimetière. Ah, je l'avais pas, le cimetière. Oh, Michou me défie. Oh, je vais l'allumer. Oh, je vais l'allumer. Ok. Laissez-moi lui défoncer sa tronche. Attends, faut que je le défonce. Là, il va prendre MK, je pense. Il va prendre MK. Moi, faut que je défende le MK. Je vais prendre ça. Ok, les gars, concentration. Je défonce Michou. Prends MK. Donc, faut que je prenne ça pour défoncer son MK. Ok. Il va prendre poison, je pense. Une boule de feu. Ok, bouliste, moi j'aime bien jouer le bouliste en tout cas. On va prendre le bouliste. On va prendre ça. Bûche. Ok, lui il a une bûche. Ok, il va prendre elle, je pense. Oula, celle-là. Je pense que je vais prendre le gobelin serbacane. Et là. Je fais quoi les gars? Je prends quoi, PK ou celui du milieu? C'est à vous de me dire. Parce qu'en soi, j'ai mon truc pour gagner qui est là. S'il me le défend, je suis mort. Lui, je pense qu'il va prendre Uta Gobelin. Je prends quoi, les gars? À vous de me dire. Merci, Lovelo, pour ton sub. Je prends quoi, les gars? Il reste combien de temps? 7 secondes. Dites-moi vite, dites-moi vite, dites-moi vite, dites-moi vite, dites-moi vite. Dites-moi vite, dites-moi vite, dites-moi vite. Dites-moi vite. Allez, c'est bon. Bienvenue, les gars. C'est parti. Allez, faut que je le fume. Faut jouer intelligemment. Ok. Ok, je savais qu'il avait ça. Je sais pas, je nique avec quoi ça. Ok. On va pas bombarder. Ok, MK, je le défends avec mon PK. Ok, pour l'instant la défense est bonne les gars. Pour l'instant la défense est excessivement bonne. Vous êtes pour qui dans le chat? Ok, il va créer un cochon. Je pense qu'il avait pas énormément de trucs pour défendre. Hein. Oh dommage, je l'ai pas tué. Bouliste. Il va faire le job, je pense. Allez les gars, faut que je gagne. Faut pas que je fasse d'erreur. De feu pour niquer ça. T'es le boss, merci mon ref, c'est toi le boss. Merci pour ta donate. Parfait. Pour l'instant, on gère. C'est le premier qui fait une erreur qui a perdu. Il va mettre le MK, regardez. Oh là là, qu'est-ce que je suis bon. Je l'ai pré-shot. Hein. Oh, si, oh dommage. Ça aurait été Dark qui fonce. Ok, PK. Bonsoir. Mon fils Nolan t'adore. Gros dédicace Nolan, t'es un crack. Merci beaucoup. Merci beaucoup Love Rot. Merci la daronne, trop gentil. Gros dédicace à ton fils. Ton fils Nolan, c'est un crack. Ok.
tuer. On va falloir faire Bellec là. J'ai eu 10 élixirs un peu trop longtemps. Ok, il met son MK. À moi de jouer maintenant. MK Bouliste qui va niquer les petits gobelins. Je joue bien là les gars ou pas? Ok, on nique la machine là. Le problème c'est que ces gobelins ils se stackent. Oh la boule de feu fait très très mal. Le problème c'est que sa hutte à gobelins elle va me faire chier. Ok, on va mettre le bouliste. On va jouer intelligemment. Faut pas que je mette ça. Ok, on va mettre une boule de feu ici. Il va mettre son MK. J'ai juste à jouer le temps et je gagne la game. J'ai rien dit, je gagne pas encore la game. Ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Parfait, on vient péter ici. Bouliste. Voilà. Il y a juste à jouer le temps et on est bon. Let's go les gars, let's go. Let's go. Let's go. Ça dégage. Ça dégage. Let's go. Voilà les gars, on le fume nous, on le fume. Ça dégage. Il va vouloir prendre sa revanche. Les gars, j'ai bien joué là, c'est bon. C'est carré. Son deck il était bien tempo. Ah. Allez, let's go. Moi je suis à l'aise avec le PK en vrai. PK poison je pense. Là il va utiliser... Je pense qu'il va jouer ça. Moi je vais taper au cochon. Ici je pense qu'il va prendre bébé dragon. Mais je sais pas sûr. À votre avis je prends quoi les gars? Bon, dragon de l'enfer ça fait quand même une TDE. Faut quand même que je le prenne je pense. Ici je pense qu'il faut qu'on vienne prendre... ce petit golem, faut juste que je le joue correctement. Je vais le jouer correctement, ça va le faire. Esprit de glace? Ouais, esprit de glace? Esprit de glace. Ok, on va essayer de jouer comme ça les gars. C'est un deck un peu space. Je sais pas si je vais gagner. Fallait contrer le MK avec le dragon. En vrai le PK ça faisait le job. En fait mon dragon serait vite mort si je contrais avec ça, parce qu'il avait la machine volante et ça serait vite mort. Il va prendre les petites électrocutions là. J'ai pas de boule de feu mais ces petites électrocutions, est-ce que je le tue avec le sort d'empoisonnement? Je tue ces trucs d'électrocution ou pas les gars? Alors je vais juste voir comment il défend mon chevaucheur. Ok. Merde. Alors là ça pue. Il a mon counter. Comment je peux faire les gars là pour le niquer? Normalement il a plus de machine volante. Oh non. Il m'a claqué un sort de foot pour ça là. On va partir pour PK fond de map hein. Normalement il n'y a plus de canon. Comment je nique son canon les gars? Bonne chance.
Normalement, la plus délicieuse est pour. Ok. Le problème, c'est qu'il a mon counter là. Je vais pas pouvoir faire grand chose là. Comment je fais, les gars, là, pour le niquer? Parce que mon deck est cher. Hein. Et y a rien qui va passer. Hein. Y a rien qui va passer, malheureusement. Mon PK, il va me le niquer à chaque fois. Comment je le counter là? Je suis dans la merde, les gars. J'aurais pas dû bûche. Gâchis de bûche, non. Je sais pas comment je. Pas comment je vais faire. Pêcheur. Ok. Ok, je vais le prendre par surprise. Retenez bien, je vais le prendre par surprise. Je sais pas comment je vais faire, mais j'ai une strat. Je suis dans la merde. Là, je suis dans une belle grosse merde. Dans une belle merde, là. Je peux rien faire, il a deck counter, les gars. Je peux rien faire, les amis. Ouais, je peux rien faire, c'est fini. Il va foudre. Ouais, je peux rien faire. Je peux rien faire. Les gars, là, il avait deck counter. Deck counter. Je peux faire ce que je veux. Je pouvais pas le niquer, je pense. Là, je le niquais qu'au poison. Je pouvais rien faire. Deck counter. Je pense, les gars, je pouvais rien faire. On est d'accord, là. Je pense, les gars, c'était dur de gagner, là. Ok. C'est parti, on est reparti. Mineur sorcière, ça peut faire mal. Hein. Mineur sorcière, ça peut faire mal. Voleuse aussi. Ok, boule de feu. Il avait un hard counter. En vrai, là, il avait un counter de ouf. Hein. En vrai, je pense qu'on va retaper le Pékin. Hein. Oh, l'électro-géant. On va la jouer comme ça. Ok, les gars. Faut mettre un tank devant le cochon. T'as grave progressé. C'était possible de gagner. Juste mal exploité ton deck. Cette fois, je pense que tu vas gagner. Ouais, c'était compliqué, les gars, en vrai. Allez, les gars, c'est parti, on enchaîne. Ok, mortier. On nique sa Tesla. Ah ouais, mais sa Tesla, elle nique mon mortier en deux spi. Ok. Ah ouais, mais putain. Il connaît les positionnements des cartes. Il connaît le positionnement des cartes. Ça me met dans une belle merde, ça. Ah ouais, il a activé sa tour du roi. Thank you.
parfait, ça m'a tapé la tour. Normalement ça peut faire très mal ça. Mon mineur qui fait des dégâts à fond. La sorcière qui va faire des dégâts, plus le mortier. Ici je vais envoyer Barbare sur la Tesla. Parfait, le mortier qui va taper la tour. C'est parfait ça les gars, c'est parfait, c'est parfait. Pas grave, mon mortier fait mal. Je sais pas si j'aurais dû, j'ai bien fait de la niquer, mais je sais qu'il fait très mal ce petit là. Vous aimez bien les combats contre Michou, le chat? En fait, j'ai un bon start là. La guérisseuse, faut que je la tue ou pas? Je pense faut que je la foudroie. Hein. Ok. Comme ça, c'est clair. Risquer un peu de faire ce que je viens de faire. Il est bloqué son truc, regarde! Ah non, ça fait exprès. Aïe 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 aïe, son bombardier il fait mal. Il va mettre un sort de foudre là. Il meurt jamais son cavabélier. Non. C'est mort. J'aurais dû mettre ma boule de feu là-haut, je suis trop con. À une seconde, j'avais pas vu que la tour, je l'avais mis à 110 là-haut. J'avais pas vu qu'elle était descendue à 110. Et en vrai les gars, je peux le niquer Michou. Je l'ai niqué une fois, je peux le niquer en vrai. Franchement, je pense j'ai le niveau de le fumer. Faut juste que je me concentre, j'arrête de faire des erreurs. J'ai le seum d'avoir perdu là, j'aurais pu gagner. Allez, c'est le dernier combat les gars. C'est le dernier combat, après j'y vais. Putain, j'aurais pu le ken hein. Sorcier ou pas? Sorcier des RPK, ça peut faire très mal hein. Arc X. Non, on va jouer ça. On va gratter petit à petit. C'était pas loin les gars, c'était pas loin. En fait, il me défonce pas, ça m'arrange. Le MK, j'ai mon pêcheur, donc ça va. Ok. Le sorcier, je tue comment là, lui là? Je pense que ça va carrément mettre un pêcheur. Hein. Merci Kelly. Je suis mort, j'ai rien pour counter le zapier. Mets un coup. Oh non, il a pas mis de coup. Putain, son zappy, j'ai rien pour counter. Je nique comment le zappy, les gars. Je suis obligé de PK dessus. Hein. Je suis obligé de PK dessus. Hein. Ouais, je suis obligé de PK dessus. Comment je nique le sorcier, les gars? Ça va me gratter petit à petit, ça me casse les couilles. Oh, ça va toucher les tours, parfait. Je vais faire ça toute la game.
Parfait, elle dégage. Je sais pas comment je vais ken son zappy, les gars. Pour le zappy, bûche. Ça va être dur là. Ok, parfait. Merde, j'ai fail. Mais en fait je peux rien faire contre son putain de zappy de merde. En fait c'est horrible. Je peux rien faire contre son zappy. Et ça je suis mort contre ça. Contre son truc là je peux pas le défendre. Je peux rien faire. Je pouvais rien faire les gars. Poison zappy. Mais ça sert à rien, ça va pas lui niquer son... Tout le zappy, le poison, non? Fais chier. Poison, ça nique tout le zappy ou pas? Le problème, c'est que je pouvais pas counter son zappy. Sinon, je l'aurais défoncé. Merci, Candy. Toujours, toujours. Le poison, gros. Mais le poison, ça nique le zappy ou pas, les gars? Ça nique le zappy, le poison? Moi je savais pas que le poison ça niquait le zappy. Ah je crois Michou veut pas jouer en fait. Ah oui il arrête, ok. Je m'en fous en vrai. En vrai les gars, j'ai fait des erreurs mais je me suis bien débrouillé en vrai. J'aurais pu gagner plusieurs fois, t'as vu. En mode je me suis pas fait écraser la gueule, ça m'arrange. J'avais la flemme de me faire écraser la gueule. Merci Raider. Je sais pas mon ref, je sais pas quand mon frérot. Ok, j'ai 5, je vais pouvoir améliorer mon électro. Et ça c'est pour améliorer n'importe quel. Parfait. Et là normalement j'ai des cartes qui sont bien améliorées déjà. Ah il a plus de batterie, ok. Ah je peux pas améliorer, j'ai plus de gold. Bah putain, genre j'ai plus de gold. Bah les petits BG, on va se laisser sur ça mes frérots. J'espère que vous avez passé un moment. Merci à tous ceux qui sont abonnés, qui ont mis la cloche, le pouce bleu. Passez tous une bonne soirée. Il y a pas de live demain soir. Et il y a prochain live, c'est dimanche. Il y a une vidéo demain sur chaîne secondaire, demain soir, 18h30 sur la chaîne secondaire Inoxac 2.0. Et dimanche live sur vos histoires terrifiantes, la radio libre à 20h avec un invité à 21h. Voilà, passez tous une bonne soirée les BG. Bon dernier jour de cours pour ceux qui c'est les vacances samedi. Et voilà les BG, j'espère que vous avez kiffé, vous avez passé un bon moment. Et voilà toi.